de filmer. Y'a quoi dans la lettre? Tu verras sur place. Non mais vas-y, fais voir. Ok, on va aller. Mes enfants, voilà plusieurs années que je me suis muré dans le silence. Mais à l'heure de la mort, il est temps que je vous raconte avec mes mots, les mots de notre famille. Je vais vous parler d'une époque où j'avais 12 ans. Je vais vous parler d'une époque où nous habitions avec mes parents et ma sœur Sarah, âgée de 14 ans. Mes parents, d'origine polonaise, sont arrivés en France dans les années 1920. Nous aimions notre vie, mais depuis le mois de juin, nous devions porter une étoile jaune et de nouvelles lois nous avaient interdit tellement de choses, rappelant les premières vagues de persécutions qui ont poussé mes parents à quitter leur terre natale. On commençait à sentir le vent tourner pour la communauté juive de France. Nous nous attendions à ce qu'il arrive quelque chose, mais nous ne nous attendions pas à ce que cela soit si rapide, si violent. Le 16 juillet 1942, à 5h du matin, deux policiers frappèrent à notre porte. Nous fûmes alors rassemblés dans un pavillon avant un transfert au vélodrome d'hiver. Je ne voulais pas quitter mes parents, bien que ceux-ci tentèrent maintes fois de me trouver une porte de sortie. Je ne comprenais pas alors qu'ils voulaient me sauver la vie. Durant 3 jours et 3 nuits, nous restâmes enfermés dans des conditions très épouvantables. Nous étions dans le vélodrome surpeuplé, sous une verrière chauffée à blanc, sans aucune structure d'accueil, sans sanitaire aménagé, sans eau, sans lait pour les petits, alors qu'il faisait très chaud, et dans un brouhaha continu. Puis nous finîmes par rejoindre le camp de Pithiviers dans le Loiret. Je ne vous raconte pas les conditions dans lesquelles nous avons voyagé, tels des animaux parqués dans des wagons à bestiaux, sous escorte de gendarmes français. Nous arrivâmes dans un camp avec clôture de barbelés, miradors et baraques en bois alignés, où des hommes juifs étrangers arrêtés à Paris en 1941 avaient été auparavant internés. 10 jours plus tard, mon père fut envoyé à l'Est, puis ce fut au tour de ma mère. Ma sœur et moi étions dans une telle souffrance, aveuglés par les larmes, que nous ne pouvions rien faire d'autre que voir notre mère s'éloigner sans rien pouvoir faire. Le 15 août 1942, 1 millier d'enfants de Pithiviers furent envoyés à Drancy avant d'être déportés vers les camps d'extermination. J'ai assisté avec effroi à la tonte des cheveux de ma sœur. J'ai assisté avec effroi à la tonte des cheveux de ma sœur qui partit dans ce premier convoi. Je devais faire partie du suivant, mais grâce à ma cousine, secrétaire du directeur juif du camp, qui a fait disparaître mon nom dans la liste, je pus éviter la déportation. En septembre, je fus libéré et caché dans une institution catholique. De ma famille, seule ma sœur revint. Elle me raconta l'enfer de cet endroit que l'on appelait Pichipoy. Elle n'y survécut que parce qu'on l'a prise pour une adolescente de 16 ans. De mes autres camarades de Pithiviers, aucun ne revinrent. Sarah mourut, plongée dans la folie et hantée par ses souvenirs en 1950. Moi, je ne voulais plus jamais en parler. Mais aujourd'hui, il est temps que vous compreniez. Il est temps que vous deveniez les porteurs de la mémoire. Les porteurs de la mémoire de ces enfants qui n'ont eu que seul tort d'être nés juifs. Marchez sur leurs traces, que jamais personne n'oublie ce qu'il s'est passé. Faites ce que je n'ai jamais réussi à faire. Portez haut le témoignage de celles et ceux qui avaient votre âge et qui sont morts dans le ténèbres. S'il vous plaît, soyez les gardiens de notre mémoire. Je vous aime, mes petits. Je vous ai à jamais votre arrière-grand-père. Oh, ça promet. Arbeit macht frei. Le travail rend libre, quel mytho. Pourquoi tu dis ça? Mais t'es bête, c'est un camp d'extermination, il peut pas être libre. Bah on attend quoi pour rentrer? Allons-y. C'est la Judenramp, c'est par là qu'arrivaient les déportés. C'est vraiment là-dedans qu'ils voyageaient? Ouais, 3-4 heures de voyage venant de toute l'Europe. On tassait dans les wagons jusqu'à 80 passagers, sans toilettes si ce n'est à fond d'eau pour faire leur besoin. C'est chaud, ils étaient tous ensemble ou séparés? D'après ce que j'ai vu, ils étaient séparés à l'arrivée. Les plus jeunes et les plus vieux envoyés directement se faire gazer et les autres au travail.
Imagine, c'est comme si t'étais séparé de Tata. Jamais de la vie. Mais il n'y avait que des juifs. D'après ce que j'ai entendu, il y avait des opposants politiques, des homosexuels, des malades et tout ce qui ne correspondait pas à l'idéologie nazie. Femmes, vieux enfants, handicapés, tout s'est passé. T'imagines 230 000 enfants sans passer par là où nous sommes. Triste. Pire encore, les jumeaux étaient mis de côté pour les expériences du docteur Mengele, d'après ce que j'ai entendu. Pour que les femmes allemandes soient plus fécondes. L'horreur absolue. Mais si la sélection efface les enfants, comment ça fait pour survivre? Certains enfants survivant à la sélection uniquement parce que les SS les ont pris pour les jeunes plus âgés de 15 ans. Et d'autres parce qu'ils ont été mis de côté pour des expériences ou déportés beaucoup trop tard. Les lois du hasard. Je m'appelle Hélène Baer. Nous sommes le 8 mars 1944. La police débarque à mon domicile, là où je suis arrêtée. Je me sens si seule et impuissante face à cette situation. J'ai juste le temps d'écrire dans mon journal les mots « Aurore, Aurore, Aurore » venant de Macbeth de Shakespeare. Je suis arrêtée, détenue au camp de Drancy, puis déportée à Auschwitz avec mon père et ma mère le 27 mars 1944, le jour de mon 23e anniversaire. Mon père a été déporté et revenu contre rançon. Je sais ce qu'il va nous arriver. Je sais que nous partons vers la mort. Regardez toutes ces valises, c'est ouf. C'est les seules traces de vie qui restent des déportés. On disait aux prisonniers qu'ils allaient déloger à l'Est. Du coup, ils prenaient quelques affaires comme de la vaisselle, des vêtements, des jeux pour les enfants. Ici, on peut voir 12 000 objets de cuisine et 80 000 pièces de chaussures. Ça fait quand même beaucoup. Et ça, ce sont... Oui, des prothèses, oui. Les handicapés ne correspondaient pas à ce que voulaient les nazis. Alors, victimes du programme T4, ils ont aussi été assassinés. C'est dur, quand même. Ils savent qu'il y allait avoir une rafle, mais ils n'ont pas pensé une minute que ça concernait les femmes et les enfants. Moi, Annette Muller, je me souviens quand, en juillet 1942, des policiers sont entrés chez moi très tôt un matin pour m'emmener moi et ma famille aux Veldives. Les 16 et 17 juillet 1942, l'État français, pour satisfaire l'occupation nazie, organisait la plus détestable opération de police de son histoire. 7000 gendarmes et policiers, assistés par des volontaires civils, ont délogé 13 152 personnes, femmes et enfants juifs, pour les livrer à leurs bourreaux. Seule une centaine d'entre eux sont revenus vivants, dont moi, 9 ans à l'époque. 76 ans plus tard, j'ai raconté cet épisode entré dans l'histoire sous le nom de Rafle du Veldiv. Mes deux grands frères ont réussi à s'échapper, mais j'ai passé 6 jours au Veldiv avec ma mère et mon petit frère Michel avant d'être déporté. Qu'une rafle de grande envergure allait avoir lieu, mes parents le redoutaient. Mais qu'elle concernait aussi les femmes et les enfants, y compris les enfants français, ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Pourtant, quand deux policiers sont venus tambouriner à nos portes, c'était pour emmener tout le monde. Un épisode traumatisant dont je me souviens encore aujourd'hui avec effroi et précision. J'ai vu ma mère se jeter aux pieds des policiers, pleurer, supplier qu'on laisse ses enfants, qu'on les épargne, qu'il la repoussait avec le pied en disant de ne pas compliquer la tâche. Grâce à l'aide d'une religieuse, sœur Claudite, mon père réussit à nous faire sortir à la fin du mois de novembre 1942 du camp de Beaune-la-Rolande pour être caché dans un orphelinat catholique de Neuilly-sur-Seine où le reste de la famille nous a rejoints plus tard. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Seuls les enfants, qui ont réussi à s'échapper des camps de retention, avant la déportation vers Auschwitz, ou durant le trajet, ont survécu. Tous les autres sont morts, dont les Schreiber. Là, on est dans les dortoirs. Non, jure. Vous savez qu'ils ont été construits sur le modèle des écuries pour chevaux. 4 sont déportés par dortoir. 5 à 8 sur chaque lit. Les plus faibles en bas et les plus jeunes en haut. Pourquoi ? Bah en fait, les personnes d'en bas recevaient les diarrhées et les urines des personnes dessus à cause de la dysenterie. Crasseux. Ils dormaient directement sur la paille, mais plus souvent à même les planches. Et dans le corps des femmes, il n'y avait que de la pierre. Il y avait même un chauffage, mais sans rien pour chauffer. Les enfants dans tout ça? Les enfants juifs avaient un baraquement à eux avec une capot qui faisait la cuisine tranquillou, pendant que les gosses mouraient de faim. C'est pas là qu'il y a aussi une fresque pour embellir les deux? Si, exactement. Et les filles, je vous ai crassé tout à l'heure, mais il y a pire. Vous vous souvenez des latrines? Oui, allons voir ça.
C'est propre. Ça n'était pas vraiment à l'époque. Il y en avait 3 seulement dans tout Birkenau. Très sale et très humiliant pour réduire l'homme à sa condition d'animal. Regardez, il y a même des lavabos pour se laver avec des emplacements pour le savon. Pratique, mais quand il n'y a pas de savon, ça sert à rien. En plus, l'eau était rare et souvent empoisonnée par le germe de la fièvre typhoïde. Apparemment, un hiver, un record de moins de 40 degrés Celsius a été enregistré. Donc, toute l'eau était complètement gelée. Oh, j'en ai des frissons dans le dos. Je m'appelle Marie-Gélène. Ma famille et moi sommes d'origine polonaise et nous habitons maintenant à Paris. Le 16 juillet 1942, alors que j'étais seule avec ma mère, nous avons été arrêtés à notre domicile parisien, dans le 19e arrondissement. Mon père, Isaac Gélène, est travailleur agricole dans les Ardennes, à Frénois, tout près de Sedan. Un gendarme français nous a conduits jusqu'au Veldiv, puis au camp de Pithiviers, ainsi qu'une dizaine d'autres enfants. Dans ce camp, les conditions de vie sont très difficiles, surtout pour les enfants, car on nous a séparés de nos parents. J'ai attrapé la scarlatine et puis la varicelle aussi. Mais ce n'est pas tout. Le 31 juillet 1942, on m'a séparée de ma mère. On dit qu'elle a été déportée à Auschwitz et qu'il faut au moins 2 jours de voyage pour arriver là-bas. Je reste seule, livrée à moi-même. Au camp, j'ai la possibilité d'écrire à mon père. Les jours passent et je m'ennuie. Mais le 21 septembre 1942, ma vie change. On me regroupe avec d'autres et nous quittons le camp. Je me retrouve dans une gare. Il y a beaucoup de monde. On nous fait monter dans des wagons à bestiaux. On nous entasse. J'entends un officier dire qu'il y a 1015 adultes et aussi 163 enfants. Il dit qu'on nous envoie au Auschwitz. À l'arrivée, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je suis le mouvement. On nous pousse et on nous frappe. On me fait monter dans un camion avec d'autres femmes, des enfants, tous jeunes et des vieillards. On en descend devant un grand bâtiment. On nous dit qu'on va prendre une douche. Des soldats nous conduisent à l'intérieur. On nous fait nous déshabiller et on entre dans une grande salle. Il y a des conduites au plafond et des pommeaux accrochés. J'entends la porte se refermer, mais je ne peux pas le voir. On est tellement serré que je ne peux pas me retourner. Et tout à coup, j'entends un cri, puis un autre. Des hurlements partout. Je suis petite. Il y a des gens plus grands autour de moi. Ils commencent à tomber. Ils se tiennent la bouche et je vois que, dans l'air, il y a comme du brouillard. Je n'arrive plus à respirer. J'étouffe. Mon corps lâche. Marie-Gélène mourut le 23 septembre 1942 à son arrivée au camp d'Auschwitz, vraisemblablement dans la chambre à gaz. Elle s'apprêtait à fêter son 11e anniversaire en octobre. C'est quoi ce truc cassé ? C'est tout ce qui reste d'un ancien four crématoire. Les Allemands l'ont explosé le 20 janvier 1945 pour effacer toutes les preuves de la Shoah quand les Russes ont libéré le camp. Mais en vrai, ça se passait comment ? Il fallait faire vite et propre et pas laisser de traces. En fait, on faisait croire aux prisonniers qu'ils allaient prendre une douche sans retour, car au lieu de l'eau, on versait du zyklon B par les trappes au-dessus. 20 minutes de souffrance avant la mort. Mon prof, c'était quand il s'est allé être remonté par un montage électrique et brûlé dans ses poches. Ah, c'est pour ça que les chambres à gaz étaient au sous-sol. Hashtag remarque pertinente. Vous savez que ce sont les Sonderkommando qui s'occupaient de tout ça pour que les nazis ne se salissent pas les mains. Les Sonder quoi ? C'était des juifs choisis parmi les prisonniers pour exécuter le sale boulot. Aujourd'hui, l'herbe est bien verte. Difficile de s'imaginer des milliers de corps entassés ici. Pas de corps ici. Mais t'es con ou quoi ? Révisé au cours d'histoire, les cendres des cadavres étaient dispersées au gré du vent. Bon, allez, on bouge. Je m'appelle Léo Schreiber. Je suis né le 18 août 1931 à Francfort. J'habitais au 14 rue Louis Bonnet, à Paris. Avant que je ne me fasse arrêter le 16 juillet 1942, les agents qui sont venus me chercher m'ont conduit avec des dizaines d'autres petits juifs, comme moi, à l'école Parmentier. Et oui, j'étais très jeune lorsque je fus arrêté. Je suis alors monté dans un autobus en direction du vélodrome d'hiver, avec ma famille, sauf mon père. J'y suis resté 5 jours avec une énorme quantité de juifs habitant à Paris. Les journées étaient longues, très longues, mais les 5 jours passèrent enfin. L'enfer me faisait que commencer. J'ai été traîné jusqu'à la gare d'Austerlitz, puis mis dans un train de bestiaux,
Là, j'ai dormi sur de la paille. Cette machine devait nous conduire, tous à Pithiviers-Loiret. Qu'allais-je faire là-bas? Là-haut, je suis resté 2 ou 3 semaines dans le camp. C'est là où j'ai eu mon anniversaire. Et puis un jour, on a pris des gens pour les envoyer, nous ne savons où. Maman, elle est partie au 3e départ, dans le convoi numéro 16. Elle n'a pu vivre que 4 jours, là où elle a été déportée. Mais avant de partir, les Allemands l'ont fouillée entièrement. Elle est seulement partie avec sa bague, car ce jour-là, jeudi 6, on ne prenait pas les bagues d'alliance. Albert s'est mis à pleurer par terre, dans la cour, quand on ne l'a pas laissé passer avec maman. Mais 2 semaines plus tard, c'était à notre tour de partir, en direction de cette destination inconnue. C'est le convoi numéro 22, du 21 août 1942, qui nous a conduits jusqu'au chemin de la mort. Auschwitz, le camp qui a tué ma mère, mon frère, moi, mais aussi des millions d'autres juifs. J'ai laissé une trace de mon passé en envoyant des lettres à mon père. Je n'étais que encore un enfant lorsque je suis mort. Je ne savais même pas ce qu'était la vie, et pourtant, on a décidé de me tuer avec 6 millions d'autres juifs, enfants, femmes, hommes, bébés, vieillards compris. Même mort, je peux encore témoigner, vous raconter l'enfer que j'ai subi, l'enfer que nous avons tous subi. Je n'ai pas eu la chance de me sauver avant que l'on me déporte vers le camp d'Auschwitz, mais d'autres l'ont eu. Guette, les miradors, ça devait être impossible de s'échapper. Hein, tous les 100 mètres avec des gardiens qui avaient l'ordre de tirer sans demander d'autorisation et des barbelés électrifiés à 600-700 volts. Tranquille, c'est pas beaucoup. Mais t'es teubé, Isaac! Non, ça va, je rigole. Et donc, les déportés travaillaient sans relâche sous l'étroite surveillance de ces soldats. Mais les enfants, du coup, ils faisaient quoi? Ils jouaient? Ruth Kulder disait ceci. Je souffrais davantage de la soif que de la faim. Tant qu'on n'avait jamais vraiment et régulièrement souffert de la soif, on a plus pitié pour ceux qui ont faim. Mais il suffit de songer au temps qui peut s'écouler avant qu'un homme meure de faim, et au contraire à la vitesse avec laquelle on meurt de soif. On peut jeûner des semaines, et même des mois, et subsister quand même, alors qu'on meurt de soif en l'espace de quelques jours. Et la soif est aussi plus torturante que la faim. À Birkenau, la nourriture, cette soupe distribuée tous les jours, devait être très salée, car j'avais toujours soif, surtout pendant les longues heures chaudes de l'appel sous le soleil brûlant. « Qu'est-ce que vous faisiez, vous, les enfants, à Auschwitz ?» m'a demandé quelqu'un récemment. « Vous jouiez ?»« Jouez. On était à l'appel. » À Birkenau, j'ai été à l'appel, j'ai eu soif et peur de la mort. C'était tout, et rien de plus. Ça ne devait vraiment pas être drôle. Quand je vois de quoi est capable l'humanité, c'est vraiment triste. Allons, Isaac, il ne faut pas être pessimiste. Comment veux-tu, Yasmina? Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Justement, c'est à nous de faire en sorte que le monde se porte mieux. Nous sommes la nouvelle génération et nous pouvons changer les choses. Déjà, nous devons entretenir la mémoire de ces 1 100 000 victimes du camp, de ces 76 juifs de France déportés, de ces 10 000 enfants français qui ont trouvé la mort ici. Mais tout ça, ça recommence encore et encore. Alors, souvenons-nous encore et encore. Ceux qui ont vu, faisons sorte de ne pas le voir. Oui, vous avez raison. C'est à nous, les jeunes, de se mobiliser. C'est de notre monde qu'il s'agit. Merci en tout cas à grand-père de nous avoir ouvert les yeux. Merci à toutes les survivants qui témoignent pour ne pas oublier. Nous sommes les gardiens de leur mémoire. Pour toujours. Bah, en fait, c'est triste de savoir que un humain en fait peut faire ça. Et puis je pense que c'est important d'en parler, de pour que, comme elle a dit, ça se reproduise plus. Et je pense que le film, c'était un très bon technique de
de présenter, surtout qu'on a été là-bas, du coup on a pu tourner là-bas et je pense que c'était bien. C'est émotionnel parce que c'est quand même le plus grand cimetière du monde. On a montré à des millions de personnes qu'il fallait pas reproduire ça. C'est bien, merci. Moi, pendant les cours, je connaissais quand même pas mal de choses, mais c'est le côté d'aller à l'endroit où c'est passé qui est assez émouvant, c'est assez... Ça m'a apporté des connaissances sur l'extermination des Juifs, sur la Seconde Guerre mondiale. J'en ai appris sur le métier de réalisateur. Bah, c'était émouvant, malgré le fait que c'était difficile de s'imaginer comment c'était à l'époque. C'était marquant, c'était impressionnant. Moi, je dois leur dire, en fait, c'est pas quelque chose avec quoi on doit rigoler. Parce que c'est sérieux, il y a des millions de morts quand même. Bah, on va s'en rappeler parce que on a quand même été à Auschwitz, sur les traces d'enfants de notre âge qui ont été déportés et tout ça. Après, on a réalisé un film. Du coup, oui, je pense que je vais m'en rappeler. Si je m'en rappelle, et je vais m'en rappeler, c'est surtout... Parce que c'est très important, c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Et également, dans ma carrière future, dans mon métier, ça pourrait toujours me servir si jamais je fais un métier du cinéma.